Salut à tous et à toutes, c'est Frit. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve eh bien sur une petite vidéo découverte sur le tout nouveau Centro 4 qui vient de sortir. Donc j'ai été l'acheter aujourd'hui, j'étais chez le coiffeur et je me suis dit allez, on va se choper Centro 4. Comme c'est un jeu que vous kiffez, c'est un jeu que je kiffe. Et c'est pas un jeu que j'ai regardé beaucoup de choses dessus. Donc c'est vraiment totale découverte pour moi. On va essayer de faire une petite vidéo découverte, pas trop longue, histoire que je puisse vous poster le jour même. J'espère que j'arriverai à vous poster et à être un des premiers à vous proposer du contenu sur Centro 4. Parce que c'est sûr que bon, bah si je peux avoir un petit peu si des gens peuvent venir regarder chez moi plutôt que, parce que vous le savez bien, à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu, bah tous les gros youtubeurs ils font des vidéos dessus, et du coup quand moi les petits youtubeurs comme moi faisons des vidéos, et eh bien justement on se retrouve avec aucun retour et personne qui ont regardé. Donc si je peux avoir un petit peu plus de retour que d'habitude, ça ferait plaisir. Et on va voir, on verra ce que ça donnera, mais voilà, en tout cas, rien que pour mes abonnés, en tout cas, j'espère pouvoir vous faire une petite vidéo bien sympathique. Donc on va faire la campagne, nouvelle partie. Normal, hein, écoutez, on va pas jouer, on va pas faire les débutants, on va pas mettre facile. Luminosité, je pense qu'à 50% c'est bon. Donc voilà, j'espère que ce jeu va roxer du saucisson là. J'espère que franchement ça va être un bon centro. En tout cas, le 3 m'avait vraiment surpris et j'avais geeké comme un porc dessus. Donc j'espère que le 4 eh bien, est à la hauteur du dernier opus, enfin de l'opus précédent. On verra ça, écoutez. Ça ne peut être que délirant de toute façon. And so it was with the ascension of the Third Street Saints. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction? Or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero, it is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Okay. En tout cas, perso, déjà ça, je trouve ça très joli là. Le soleil comme ça. Mike is dead. Are you fucking kidding me? I'm sorry. I forgot to check the battery because I was busy coordinating an international assassination. Can we go back to the part about this being a setup? It's not a setup. The intel is good. You trust this lady? Asha's one of the good guys. Oleg knows her from the KGB days. Oh, she's tied with the KGB. I feel a lot better. Look, Bert and I worked with her too. She's fine. Oh, yeah. I'm sure she's great at putting someone in a fucking body bag. That doesn't mean we should... behind schedule. We need to move. You're a real people person, aren't you? I'm sorry, is this a counter-terrorist operation or a Saints flow shoot? I'm Sean. Asher Odekar, follow me. We're here. Expect them to be all business. We know what's at stake. Do you? Look, lady, this motherfucker knows how to get shit done. Don't you worry about me. What's security? My tech guy brought us a 10-minute window. If we move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. How many of those are there? Don't know about the numbers inside, but there are about 8 marching the perimeter. On my signal, we... Oh, hell. We gotta move! Hands him
والله يخرب بيتك وقعد. About it, honey. Subtlety is not really our thing. Come on, this way. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Bah, démarrer en beauté, j'ai envie de dire. C'est pas mal. Ça a l'air pas mal en tout cas. Déjà on se retrouve dans un paysage qu'il n'y avait pas dans Centro 3, donc un petit peu désertique comme ça. Maintenant on est dans un sort d'entrepôt. Are you there? What are we walking into? The intelligence I'm looking at suggests. Hold on. Hide, truck on this way. Bon, je pense que je vais bientôt pouvoir bouger. Wait a minute. Your hammer is... Non, encore. Is that Matt Miller? Kinsey, be nice. But seriously, Matt Miller is a brilliant hacker. A venerated agent of MI6 and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. What's past is past. We are all working together now. Let's focus on the job. As I was saying. Ok, c'est bon. Hold that thought, Matt. Et là, je bouge. Le gameplay. Attendez. Ouais, c'est un petit peu près. C'est à peu près le même que Centro 3. Hop. B, c'est quoi? Ok, B, c'est pour les armes. Ouais. Y. Ouais, bon, bah, on va regarder de toute façon ensemble en avançant dans le jeu le gameplay comment il sera. Ok, ça c'est pas mal. Ça déjà, il n'y avait pas ça dans le 3. Des trucs de discrétion comme ça. The nuke is stashed deep in the compound. It's likely primed and ready to go. Getting booted from the US at Cyrus Temple off the deep end, but teaming up with terrorists, seriously? je me crois dans mon let's play il y a super longtemps sur Splinter Cell Conviction. Ça me fait trop penser à ça, sérieux. Être discret comme ça. Va à la salle de commande. Ici, il ne devrait plus être loin. Ok. Il est là-bas. Hop, toi, tu crèves. Toi, merde, j'avais le réflexe de balancer des grenades. Mais... Ah, bah, des barils. Voilà. Là, il y a un baril aussi. Boum. Ça, c'est fait, mon pote. Toi, tu vas morfler aussi. Toi aussi. Bon, le gameplay, il va revenir. Hein. Avant, j'étais pas mauvais à Centro 3, ça allait. Ce qui était de la précision et tout ça. On va voir ce que ça donnera dans le 4. Hein. Attends, tu crèves. Ah, voilà. Pour charger, c'est X. Ok. C'est vraiment une totale découverte. J'ai rien vu de Centro 4. À part le tout premier trailer qui était sorti. Non, même pas des images, je pense que j'avais. Ou non, le premier trailer. Ouais. Hop. Mieux c'est de viser la tête comme ça. Bon, c'est pas comme si on manquait de munitions, on en a à l'infini, mais au moins ça dure... Merde, je tire sur mon pote. Mais au moins on a moins de balles à mettre. Voilà mon pote, ça c'est fait. Les deux qui crèvent là-bas, c'est fait. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. C'est quoi ce bordel là? Bam. Ça c'est fait. Bon allez hop. Toutes les missions là. Dans les couilles mon vieux. Et voilà, fini là. Toi t'es mort, ça c'est fait, ok. Toi aussi, headshot. Voilà, toi tu crèves, baril, l'explosion et tout, c'est trop stylé. Arrête de tourner devant moi toi. Arrête, dégage, dégage. Allez, on charge. Non c'est bon. Non, on a toutes nos balles. Ok. Puis avec moi, vous donnez une inversion. Ok, ouvrir la porte. Allez, c'est parti. Par contre, on a la classe, je trouve que nous, franchement, ça fait vraiment professionnel et tout. On est stylé. Bon, je m'impatiente de pouvoir créer mon personnage. Je pense que je créerai un petit peu près. Je ferai à peu près comme dans Centro 3. Hein. J'essaierai de faire qu'il me ressemble un petit peu, on va dire. Niveau des cheveux, tout ça. Eh, ça rendait bien. Dans Centro 3, ça rendait bien. Ah non, j'avais fait une... Ah non, après j'avais fait une femme que
j'avais fait aussi avec la couleur de mes cheveux et tout. Blond. Hop. Map, ça, ça fait. Ok, bon, on y est. Sirius, non, la cible est dans la pièce à côté. Ok. Oh là là, oh là là. Hop. Ok, ça, ça a pas changé non plus. Plongeons en avant comme ça. Ah, là-bas. Faire attention au baril parce que s'il tire dessus, même s'il y a personne, on sait jamais. Mets-toi en position, tu prends ta enfonce la porte. Ok, c'est parti. Oh, comme dans Call of. Je sais plus comment on appelle ça, les scènes au ralenti. Hein, c'est... Je pense que c'est un nom particulier. Si vous le savez, bah dites-moi en commentaire. C'est stylé qu'ils mettent ça, franchement c'est pas mal, il y a toutes des petites nouveautés qu'il n'y avait pas dans Saints Row 3. Oh là, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est fou lui. Tiens, vas-y, kick là. Boum. Hop là. Dans le mur, voilà. En plus ça doit faire trop mal. Allez, c'est parti. J'ai même pas fait exprès de le taper. Ah ouais, on peut sprinter. Ah, allez. Ouais, c'est le même gameplay quoi. Oh, j'ai cru que j'allais tomber. Toujours cette insolence. Oh, oh. Ça a pas duré longtemps. Hein. On traîne pas nous. Oula, oula, oula. Il rigole pas en fait. Bim. Allez. QTE. Allez, c'est parti. Comment toponner comme un bourrin. Ça touche A. Approche, espèce de voyou. Avec son couteau là, il espère quoi là? Il espère quoi? Oh putain, il m'a planté! Il m'a planté cet enfoiré! tout bon mes amis, tout bon! Ouais, il espère quand même pas se relever là! T'échapperas pas, fais gaffe! Oh, trop bon! Trop bon et trop beau! Stylé! Pourquoi il a lancé à quoi? Un missile nucléaire? Casse-toi! Non! Et ouais, mais tu comprends pas le beau sacrifice? Ouais, mais qu'est-ce que je fous? Moi je vais là où je dois aller, merde! Allez, où? Vite! Vite Max! Max c'est moi en fait. Si Max, voilà, c'est pas trop compliqué. La musique et tout. Allez, allez, on y croit les amis! Je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais une grosse. Putain, non! Bah vous lisez, mais moi je sais pas me concentrer sur les textes. Parce que je dois éviter de les machins là. La petite musique et tout. Allez, allez. Ok. Allez, saute. Ouais. Un petit effort, on y est presque. Non, ouais. Évite le, c'est bon. On y est presque, quoique. Oh, je sais pas. Commence fort là. Hein. Petit truc de stress là. C'est tombé quoi. Oh merde. Ah non, c'est bon, je crois que je devais pour éviter un truc. Allez, en fait, on doit essayer de désactiver la fusée, c'est ça, je pense. Lui arracher tous ces trucs. Ah c'est bon, elle est désactivée. Ah ouais, bah ouais, c'est un missile nucléaire. Wow, mais c'est fucking mambo. Ouais, ça, ça le fait, ça. Ça, ça le fait vraiment, quoi. Tranquille. Allez, un petit somme, hein. Bon bah les gars, je crois que pour une vidéo découverte, c'était bien, le temps qu'il faut. Ça, ça annonce de belles vidéos délire, ça je vous le promets. Bon évidemment là, je ne savais pas délirer parce que
connais pas encore bien le jeu tout ça et je sais pas trop ce qu'il y a ce qu'il y aura de, d'excellent à faire hein. Écoutez, vous savez bien qu'il y a des armes un petit peu farfelues tout ça un petit peu spéciales. J'espère qu'il y aura encore les points de la mort, enfin je sais bien qu'il y a d'autres trucs encore. Franchement voilà, je ferai une petite vidéo délire quand j'aurai des bagnoles, tout ça, que j'aurai un petit peu joué au jeu, machin. Et j'espère vraiment qu'on va s'éclater, j'espère que je vais m'éclater. Et j'espère avoir donné envie à certains d'acheter le jeu. Moi je l'ai eu personnellement pour 54€, je trouve que ça va hein, pour un nouveau jeu. D'habitude, bon bah chez nous en Belgique ça tourne autour de 65-70€. Donc je trouve que c'est raisonnable, c'est vraiment raisonnable. Bon allez, les amis, je vous dis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes pour essayer de faire tourner cette vidéo. Et je vous dis sur ce, prenez soin de vous et portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.